Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Mavin80100 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de Call of Duty Ghost édition Prestige. Donc, la plus grosse édition de ce jeu. Donc là, c'est... Bon, vous voyez pas trop, voilà, c'est Xbox One. Mais c'est pareil sur toutes les plateformes. Jusque-là, ça sera vert avec le logo Xbox, avec marqué Xbox One, bon. Alors, on va commencer tout de suite, hein. On va pas chercher à comprendre. Hop. On va enlever le petit. Hop. Voilà. Ça, c'est le petit bien. Voilà. Et ensuite, vous avez une boîte assez sympathique ici. Voilà. Avec le petit logo Ghost. Vous voyez pas, mais il est en relief. Donc, quand on touche, on sent le logo. Et ensuite, donc, ça s'ouvre ici. Tac. Voilà, comme ça. Donc là, vu comme c'est présenté, c'est sûr que... Je vous montre ça comme ça. Voilà. Donc quand on ouvre, on a un magnifique... magnifique petit art... Enfin, un petit dessin sympa. Enfin, vraiment, vraiment sympa, vraiment beau. Donc sur l'ouverture de la boîte, quand vous l'ouvrez comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans ce pack? Nous avons la boîte d'édition limitée. De Code Ghost, elle est juste sublime. Voilà, je précise, elle est vraiment belle. Donc, je vous montre l'intérieur. Parce que l'intérieur aussi, je vérifie juste un truc. Ouais, voilà. Donc, l'intérieur est comme ça. Donc, vous voyez derrière le logo Ghost, où je vais pas vous le montrer, mais voilà. Donc, si vous avez le CD Call of Duty, ensuite ici. Ce pack comprend le Season Pass. Derrière, il y a le code, donc je vous montrerai pas. Il propose la map Free Fall. Il propose ouais, plein de choses. Je sais pas si je peux faire la mise au point dessus. Ah si, voilà. Free Fall, voilà. Player Patch. Donc vous avez une carte d'agent. Vous avez les soundtracks aussi à marquer, ouais. Et ouais, enfin vous avez plein de trucs background et tout. C'est quand même bien foutu. Enfin, c'est quand même pas mal. Et ensuite une petite pub pour les autres jeux. Voilà, Code Ghost, petite pub. Voilà, donc vous voyez le logo Ghost. Donc voilà ce que comprend ce pack. Donc vous avez le Season Pass, vous avez la map Free Fall et des petits bonus. Vous avez aussi un camo. Je crois que le patch qui avait marqué c'était le camo. Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans cette boîte. Donc il y a du contenu téléchargeable et du contenu physique. Donc vous avez déjà ça. Ensuite vous avez, attention, ça je vous montre après. Vous avez une boîte, voilà. Une boîte avec le bracelet de Call of Duty. Donc je vais pas vous le montrer sorti de sa boîte, mais tout simplement c'est un bracelet fait entièrement avec du fil. Il est assez épais, on dirait pas comme ça, mais il est assez gros, assez épais. Donc ça doit être assez résistant. C'est fait avec 3 mètres de fil, si je me rappelle bien. Donc c'est vraiment pas mal. Je crois que c'est 3 mètres de fil qui font un seul bracelet. C'est vraiment pas mal. C'est un petit goodies sympa qu'on a avec ce pack. Je refais la mise au point parce que... Voilà, c'est un petit goodies qu'on a avec ce pack. C'est sympathique. Et enfin... Parce que vous voyez que là maintenant c'est vide. Enfin vous avez ceci. Donc qui fait la particularité de ce... De ce pack. Alors, qu'est-ce que ceci? C'est tout simplement une caméra. Je vais vous montrer. J'ai déjà essayé un tout petit coup pour voir comment que ça marchait. C'est... Voilà, on ouvre ça. Donc voilà. C'est assez... C'est pas mal présenté. C'est pas mal présenté, je trouve. Je vais vous mettre... Je vais vraiment vous mettre tout ça. Comme ça. Je sors tous les composants, moi vous pouvez voir. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir plusieurs supports pour la caméra. C'est assez bien présenté, c'est bien foutu. Vous avez, j'ai pas tout sorti encore parce qu'il y a encore d'autres choses. Ça. Et il y a un petit papier. Bon, il y a un petit papier, une petite. Un petit truc qui vous explique un peu, je ne veux pas le sortir ce petit papier, c'est pas très important. Alors je vous fais ce qu'il y a, donc ça c'est la caméra, j'y reviendrai après. Je vous montre juste, je sais pas si je peux faire
mes deux points dessus là. J'arrive pas à faire la mise au point sur ce qui a marqué. Ah voilà. Donc Call of Duty, hein, 1080p, il y a marqué sur la gauche, je sais pas si vous voyez. Tactical Camera, 170 degrés wide. Donc voilà, c'est une caméra vraiment sympa. Voilà, je vous montre vite fait comment c'est fait. Donc ici, vous avez un petit truc pour locker, pour verrouiller. Et une fois que c'est déverrouillé, voilà, vous faites ça. Et ici, donc, vous avez quoi? Vous avez, j'essaie de faire la mise au point, voilà. Vous avez le port USB. Vous avez donc par contre vidéo format statut tout ça je sais pas encore 1080p 720p reset. Vous avez le petit port pour la micro SD qui est dedans, moi je l'ai mise mais elle est fournie, c'est une micro SD de 4 Go. Donc je sais pas par contre elle permet de vous faire record combien de temps. Mais voilà, c'est assez sympa. Je pense même l'utiliser pour plusieurs vidéos, ça pourrait être sympathique. Tac, voilà. Ensuite, on relock. Voilà. Et maintenant ensuite comment que ça marche? Je vous montre. Je vous montre ça. C'est la mise au point. Voilà. Voilà. Vous voyez la petite lumière verte qui est là. Et ben, ça veut dire qu'elle est allumée, tout simplement. Là, elle démarre. Et voilà. Là, elle est démarrée. Une fois qu'il y a eu la petite lumière rouge et la petite lumière verte juste après, et ben, c'est qu'elle est prête à fonctionner. Dès que vous appuyez un coup, voilà. Là, elle rec. Là, elle rec tout ce qu'il y a devant elle. Voilà, elle rec. Hein. Par contre, on peut pas voir ce qu'elle rec, mais on peut le voir après. Et une fois que vous avez fini, vous rappuyez un coup. Et voilà, c'est rec. Vous venez de rec une vidéo de, je sais pas, la 5 secondes. Et ensuite, pour l'éteindre, vous restez appuyé longtemps. Et là, elle est éteinte. Ensuite, vous avez plusieurs supports que vous pouvez clipser à l'arrière dessus. Donc, vous avez des supports adhésifs ou non. Là, vous avez un support adhésif. Dans celui-là, il y a adhésif aussi. Vous avez l'adhésif dedans. Il est là. Vous avez l'adhésif là. Ça, voilà, si vous voulez le mettre sur un peut-être un pare-brise, je sais pas. Ensuite là, c'est une petite lanière avec un strap. Vous pouvez l'accrocher sur un guidon ou quelque chose dans le genre. Alors ici, ça c'est tout simplement comme ça on se demande. C'est pour l'incliner en fait. Vous la mettez au lieu qu'elle soit droite, vous la clipsez comme ça et ensuite vous la. Ça, en fait, c'est tout simplement pour la faire pivoter. Donc je vais pas vous montrer comment on fait mais c'est ça. Et là ici c'est une lanière qui permet, je sais pas, de la mettre autour de votre tête et puis filmer ou des choses comme ça. Et enfin vous avez le câble USB, donc c'est ouvert, hein, je vous ai dit que j'ai testé. Hein. Vous avez le câble USB qui vous permet de brancher ça à votre ordinateur et de regarder toutes vos vidéos que vous avez faites. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que vous propose ce pack Call of Duty Ghost Prestige. Donc comme ça paraît peut-être pas beaucoup, mais je pense que c'est pas mal. Donc moi perso, je l'ai eu pour 150 euros. Il y a non 160, 160 euros sur Amazon, je crois qu'il est. Donc c'est pas mal pour dire que c'est sur One. Moi en tout cas, enfin je veux pas dire que je vous le recommande, mais je vous ai montré. Voilà, vous pouvez vous faire une idée de ce que c'est. Après, vous jugez si c'est utile ou pas de l'acheter, si vous voulez ou pas. Je pense que c'est tout simplement pour les fans de la licence et qui peuvent se le permettre. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire et j'espère vous revoir. Enfin vous revoir. J'espère faire des vidéos très très vite, reprendre les vidéos très très vite sur la Xbox One. Bon allez, bye tout le monde, prenez soin de vous, c'était Maven 88100. Ciao ciao.